Les océans du Canada abritent les plus grands mammifères de la planète. Entre-temps, les ports gèrent 310 millions de tonnes par an. Le transport maritime canadien représente 20 % des exportations vers les États-Unis et 95 % vers les autres pays. Ocean Networks Canada surveille l'environnement marin pour la science, la société et l'industrie. Ocean Networks utilise un système automatisé d'identification, aussi nommé SAI, pour soutenir l'industrie du transport maritime et améliorer la surveillance de l'environnement. Le SAI est un système de suivi à très haute fréquence, utilisé pour l'évitement des collisions. Les données du SAI sont continuellement collectées en temps réel et archivées par Ocean Networks Canada. Le SAI ne représente qu'un petit pourcentage des téraoctets de données provenant du système de centaines de capteurs d'océan 2.0. Ce système, à la fine pointe de la technologie, transforme les données brutes en informations utiles pour les communautés, les gouvernements et l'industrie. Les hydrophones sont des microphones sous-marins qui captent les sons océaniques, comme les chants des baleines et les bruits provenant des navires. Les risques de collision avec des mammifères marins peuvent être réduits en combinant les données du SAI et du réseau d'hydrophones. Chaque navire ajoute au bruit sous-marin. Il peut être entendu par les hydrophones d'ONC et sa position peut être calculée en utilisant les données du SAI. Ces données d'Ocean Networks sont un élément clé de l'association avec les ports, visant à soutenir les mesures d'incitation à la réduction du bruit sur les mammifères marins. Comprendre les bruits créés par les navires peut réduire leurs impacts sur la vie marine et fournir des données vitales pour les décisions concernant les routes maritimes et la protection des mammifères marins. Les Smart Ocean Systems d'Ocean Networks Canada améliorent la sécurité maritime au Canada